La campagne de Russie, c'est un événement marquant, dramatique, et c'est le moment charnière de l'épopée napoléonienne. Et pourtant, aujourd'hui, on nous le présente encore de manière simpliste, du genre Napoléon, qui était un gros mégalo, s'est réveillé un beau matin et puis s'est dit « Tiens, je vais monter une grosse équipe, 600 000 hommes environ, tranquille, et je vais aller jusqu'à Moscou pour montrer au tsar qu'il y a la plus grosse. » Bah non, ça s'est pas passé comme ça. Ça aurait été drôle, hein, mais non. En réalité, de la campagne de Russie, on retient les drames, le froid, l'incendie de Moscou, la terrible retraite, la Bérézina, la mort, mais on s'attarde pas du tout sur les causes de cette campagne. Eh bien moi, vous en doutez bien, je vais m'y attarder, car j'ai grand besoin de mettre les points sur quelques i. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler une seconde fois que j'ai sorti début septembre mon nouveau cours en ligne consacré à qui ? Bah Napoléon, voyons. Je dis voyons, mais c'est quand même mon quatrième cours en ligne, et si j'ai attendu si longtemps pour sortir celui-là, alors que Napoléon c'est quand même mon sujet de prédilection, eh bien c'est justement parce que je voulais faire les choses bien, et visiblement c'est le cas puisqu'on a dépassé les 70 inscrits. Le cours se présente sous la forme habituelle, sur une plateforme ergonomique et interactive. Vous retrouverez plusieurs chapitres, dans chaque chapitre une vidéo de cours, des fiches à imprimer ou télécharger, un audio, des cartes, des annexes et un QCM numérique à compléter. Au terme des 14 chapitres, vous trouverez une évaluation finale pour tester vos connaissances. Et sachez qu'au fur et à mesure, je rajoute et je continue à rajouter du contenu exclusif au cours. Par exemple, là, depuis la sortie, j'ai rajouté au cours plusieurs fiches bonus sur la famille de l'empereur, par exemple, et puis sur les grands hommes d'État. À venir d'autres contenus bonus, dont notamment les unités de la Grande Armée. Ça va être pas mal. Bref, si vous appréciez la petite histoire, et puis si vous voulez tout savoir sur Napoléon et l'épopée impériale, un lien direct vers le cours est disponible dans la description de cette vidéo. Revenons à notre sujet, puisque là, justement, je vais me concentrer sur une partie qui est traitée dans le cours, la campagne de Russie. Alors, pour vous poser le contexte le plus simplement possible, c'est parti. On est en 1812, l'Empire est à son apogée. Napoléon vient de mettre une raclée, enfin raclée sur raclée, à l'Europe coalisée. Et pour lutter contre l'Angleterre, qui finance sans arrêt des coalitions et qui refuse toute proposition de paix, Napoléon a mis en place le blocus continental. Et là aussi, le blocus, ça n'est absolument pas une lubie personnelle, c'est surtout une nécessité incontournable, étant donné que l'Angleterre refuse de façon absolue de signer la paix, une paix où la France conserverait la Belgique. Et désolé, mais la rive gauche du Rhin, c'est à nous. Et vu qu'on ne peut pas débarquer sur cette île pourrie, eh bien il faut la contraindre comme on peut. Donc l'empereur, après avoir défait les coalitions, met donc en place le blocus continental, et en 1807, après la victoire de Friedland, il atteint son but ultime, signer la paix avec la Russie. Donc là, disons, 1808, tout est parfait, le tsar accepte de participer au projet et la puissance des mers n'a quasiment plus accès au continent. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous dire qu'à ce moment-là, Napoléon n'a aucun, je dis bien absolument aucun intérêt à se relancer dans une guerre. Et d'ailleurs, la guerre n'a en soi jamais été dans son intérêt total, mais bon, allez faire comprendre ça à une cervelle formatée. Donc, 1808, par là, tout va bien, mais dans ce nouvel ordre européen, un ordre harmonieusement franco-russe, si vous voulez, il y a un hic, et ce hic, c'est le tsar. Parce qu'au fond, le tsar l'a très mauvaise d'avoir perdu face à Napoléon et d'avoir vu sa grandeur de tsar de toutes les Russies écornée. Et pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'empereur avait été très, très généreux avec lui. Après la guerre, il a tellement été généreux avec son vaincu et avec ses vaincus en général, parce que c'est bien son vaincu, hein, le tsar, il ne faut pas l'oublier, que Adolphe Thiers écrira plus tard que perdre la guerre face à Napoléon équivalait à une victoire. Et pourtant, Alexandre a toujours joué double jeu, discrètement tout d'abord, puis une fois la France embourbée dans les affaires d'Espagne, de plus en plus ouvertement. Lorsque l'Autriche attaque la France en 1809 et qu'on leur remet une fessée à Wagram, le tsar ne lève pas un orteil. Et Napoléon, naïf comme il est, croit toujours en son amitié et il le croira jusqu'au bout. En 1812, date de la campagne de Russie,
C'est le tsar qui, depuis plusieurs mois déjà, arme en secret et se prépare à retourner sa veste. Pourquoi ? Tout simplement parce que les financiers qui l'entourent sont très liés économiquement à l'Angleterre et font donc pression sur lui pour rompre l'alliance et cesser d'appliquer le blocus. Et encore une fois, je le répète, le blocus n'est pas un délire mégalo, c'est une nécessité vitale. La guerre entre la France et l'Angleterre, à cette époque, c'est une lutte à mort. Point. C'est la puissance financière des mers contre la puissance militaire du continent. Et avec Londres, on l'a bien vu, il n'y a aucun compromis possible. Alors, pression après pression, le tsar, qui a toujours joué double jeu, va finir par céder. En 1810, il décide donc de faire volte-face. Il taxe lourdement les importations françaises. Et surtout, il ouvre ses ports aux neutres. Qu'est-ce que ça veut dire, ouvrir ses ports aux neutres? Ça veut dire que désormais, les navires des pays neutres, comme par exemple les États-Unis, qui sont neutres dans ce conflit, peuvent débarquer de la marchandise en Russie. Mais qu'y a-t-il dans ces bateaux neutres? Eh bien, de la marchandise anglaise, évidemment. Et comme le tsar sait très bien ce qu'il est en train de faire et ce que ça implique, il accompagne aussitôt cette décision de préparatifs militaires secrets, ce qui pousse Napoléon de son côté à armer lui aussi. Et c'est ainsi que la grande armée va se rassembler de tous les points de l'Europe, et à ce moment-là, c'est l'Europe tout entière qui se met en marche pour se réunir sur la Vistule. 650 000 hommes, s'il vous plaît, des Français pour la plupart évidemment, mais aussi des contingents fournis par les Alliés, pas grand-chose, hein. Par exemple la Prusse, 20 000. Et la Prusse est finalement rentrée dans le rang alors qu'elle hésitait. 30 000 pour l'Autriche qui se contente, elle aussi, du strict minimum. Et Prussiens et Autrichiens vont eux aussi toujours jouer double jeu. Et là, je le précise tout de suite, non seulement cette armée n'est utilisée qu'en réaction aux préparatifs du tsar et puis à ses décisions, mais surtout dans l'esprit de Napoléon, elle est là uniquement pour l'intimider, pour montrer la pointe de l'épée, comme on dit, afin de le faire revenir à la raison et au traité de Tilsit. À aucun moment, et je dis bien aucun moment, l'empereur n'envisage d'affronter réellement le tsar, et encore moins d'aller jusqu'à Moscou. Ça lui paraît totalement invraisemblable qu'on en arrive là après tous les élans d'amitié vécus quelques années en arrière. Et tout en rassemblant son armée, Napoléon envoie des lettres apaisantes au tsar, des propositions de paix, il envoie même une offre de paix à l'Angleterre en garantissant l'intégrité de l'Espagne, sans réponse évidemment. Alors il se met en marche contre son gré et déjà il se fixe des limites mentales à ce moment-là, au moment où la campagne s'ouvre. Il ne veut pas dépasser Smolensk et Minsk. Le 24 juin 1812, la grande armée franchit le Niemen. Le 28 juin, Napoléon entre à Vilna et il patiente 18 jours dans l'attente d'une demande de paix du tsar. En vain, elle ne vient pas. Alors la grande armée s'élance au-devant des deux armées russes qui lui font face. Le tsar a peut-être besoin d'une défaite pour se raisonner, pense Napoléon, mais c'est peine perdue, les armées russes se dérobent et refusent le combat. Et c'est ce qu'elles feront jusqu'à Borodino d'ailleurs, hein, à la russe quoi. Hein. Mais bon, apparemment c'est une bonne chose, alors bon, on doit pas avoir la même vision de la guerre, c'est tout. Toujours à la recherche de la bonne bataille, d'un nouveau Friedland, les Français continuent leur route, toujours pas d'ennemis en vue, et aucune nouvelle du tsar Alexandre. Le 18 août, la grande armée atteint Smolensk. Smolensk, c'est la limite que l'empereur s'était fixée. Cette fois, les Russes résistent un petit peu, mais se retirent en bon ordre. Tout en poursuivant le fantôme de la victoire, Napoléon réitère ses offres de paix à Alexandre en l'assurant de ses meilleurs sentiments, mais il n'obtient qu'un silence méprisant. Alors, la grande armée n'a plus d'autre choix que de poursuivre les Russes et de marcher sur Moscou. Comment en est-on arrivé là? Désireux de ne pas se déshonorer jusqu'au bout, Kutuzov acceptera finalement le combat lors de la sanglante bataille de la Moscova. Puis, le 14 septembre 1812, les Français entrent à Moscou. Là, Napoléon a toutes les raisons de se dire « Bon, c'est bon là, je suis à Moscou, la ville sacrée des Russes, Alexandre va bien finir par accepter la paix, quoi. » Et il n'aura pas tardé à avoir sa réponse. Le soir même de l'arrivée des Français, le comte Rostopchine, gouverneur de Moscou, fait mettre le feu à la ville. Celle-ci se transforme immédiatement en un immense brasier et les soldats français tentent de l'éteindre au péril de leur vie,
sous les yeux horrifiés de Napoléon. Drôle de façon de faire la guerre, je le répète, jamais l'empereur n'aurait imaginé que les Russes iraient jusqu'à incendier leur propre ville. Il déclare « Ceci nous présage de grands malheurs ». Et pourtant, que fait-il après cet incendie? Il attend encore et toujours une lettre d'Alexandre. Il reste un mois dans cette ville en ruine qui est devenue Moscou, où il n'y a plus aucune ressource. Il fait des offres répétées au tsar comme à Kutuzov. En vain, il n'a aucune réponse. Il faut donc partir. Vous connaissez la suite, la désastreuse retraite, c'est surtout ce qu'on en retient, mais sans jamais essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Et justement, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Eh bien, c'est simple, je viens de vous le dire et je vous le résume. Le tsar vaincu et pourtant totalement ménagé n'a jamais été vraiment sincère. Il a fini par refuser le projet napoléonien et a choisi l'Angleterre avec laquelle ses financiers étaient liés. C'est lui qui rompt le pacte de Tilsit. C'est lui qui lance des préparatifs militaires. C'est lui qui taxe les importations françaises. Et surtout, c'est lui qui jusqu'au bout, jusqu'aux flammes de Moscou, refuse les offres de paix généreuses et répétées de l'empereur. Alors après, on peut penser de ce qu'on veut de cette attitude, de cette stratégie. Après tout, elle concerne les Russes, hein, ça les regarde, c'est leur problème. Ils ont totalement le droit de rompre le pacte. Ils font ce qu'ils veulent là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais de grâce, et c'est là le message de cet épisode, qu'on arrête de penser que cette campagne de Russie n'est que l'œuvre d'un mégalo avide de sang, parce que là, franchement, je pense vous avoir largement prouvé le contraire. Et donc, que voulez-vous, c'est les idéologues de l'histoire qui ont fait leur œuvre, quoi. C'est classique. Bref, dans cette histoire, Napoléon a toujours cherché la paix, et pas que dans cette histoire, d'ailleurs, parce que, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, des décennies après des décennies de matraquage idéologique, la paix est toujours et a toujours été totalement dans son intérêt premier. Après, s'il a mis des raclées à tout le monde à chaque fois, ça c'est une autre histoire. En rentrant à Paris après cette désastreuse campagne et retraite de Russie, Napoléon se confie à ses ministres et ça résume bien la chose, je le cite, « La fortune m'a ébloui, j'ai été à Moscou, j'ai cru y signer la paix, j'y suis resté trop longtemps. » Voilà tout ce qu'on peut retenir de cet épisode dramatique. Merci de votre attention, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous le rappelle encore une fois, si vous souhaitez approfondir l'épopée impériale et l'histoire de Napoléon, avec toujours mes petites analyses, si vous les appréciez, eh bien rejoignez les 70 inscrits au cours sur Napoléon. Et on vient aussi, sur l'échelle générale de tous mes autres cours, de dépasser les 500 inscrits. Alors rejoignez-nous maintenant si ça vous intéresse en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, et moi je vous dis à très vite.